Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous mensuel. C'est lequel? Ouais, c'est le rendez-vous de mes box. Je suis super en retard, mais là, pour une fois, c'est pas de ma faute, hein, puisque en fait, la Beautiful, ils ont eu un souci, ils étaient en rupture de stock pour un produit, un shampoing qu'on aurait dû avoir. Et du coup, ils ont attendu un petit peu, voir si le fournisseur allait leur donner quand même. Et en fait, non, ils ne l'ont pas eu, hein, puisque du coup, c'était en rupture. Donc, il a fallu qu'ils refassent toute leur box. Et à la place, ils nous ont mis deux autres produits. Donc, on ne va pas se plaindre. Hein. Donc, ils nous ont mis une petite note. Hein. Voilà, nous avons une mauvaise, mais deux bonnes nouvelles. La mauvaise, c'est l'un des produits de votre box, le shampoing de la marque Savon d'Alep, n'est pas arrivé à temps. Hein, donc, nous l'avons attendu jusqu'au bout, tout ça. Donc, ils expliquent que, il n'est jamais arrivé. Et les deux bonnes nouvelles, c'est qu'ils ont remplacé le shampoing par deux autres produits. Donc, au final, la box, elle contient sept produits au lieu de six. Donc, on ne se plaint pas. Donc, je vais commencer par la Gloria, par la Beautiful, puisqu'elle est ouverte. Donc, comme d'habitude, vous avez la grande carte et vous avez les petites cartes. Aujourd'hui, on va faire la grande. Et donc, effectivement, elle est bien remplie, comme ceci. On commence, alors je vais commencer par les deux produits qui ont été remplacés. Donc là, on a un gel douche à la verveine de la marque Eugène. Écoutez, elle est operculée, comme j'en ai un en route, hein, voilà, j'en ai déjà pas un, hein, j'ai plusieurs gels douche en route. Donc du coup, je vais pas l'ouvrir tout de suite, hein, je vais le garder. Mais bon, voilà, il me semble un peu liquide. Bon, on verra. Hein. Donc, c'est un format de 100 ml. Hein. Ça sert toujours. Et alors, ça, je suis contente. Donc, ça, c'est dans la marque Médène, comme ceci. C'est le Boom Boom Power. Hein. Donc, le 318. Et en fait, c'est fait. Alors, moi, j'en ai mis tout à l'heure. En fait, c'est fait pour donner un coup de peps. Vous avez une fatigue passagère, une fatigue hein, chronique même. Bon, ça n'agira pas sur la fatigue chronique. Hein, mais c'est vrai que la senteur, c'est des huiles essentielles. Hein. Et franchement, ça vous procure un bien-être. Ça fait du bien. Et j'aime beaucoup. Ça fait 2 jours que je le teste. Et j'aime beaucoup. Donc, il faut simplement le mettre là au poignet. Hein, et en fait, de temps en temps, vous sentez. Et même quand vous bougez comme ça, l'odeur, elle remonte. Hein, donc, vous la sentez. Et c'est super apaisant. Franchement, j'aime beaucoup. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Mode d'application appliqué, deux gouttes de mélange sur la face interne des poignets. Écoutez, je vous noterai parce que je vois pas trop. Je suis pas sûre de moi. Je regarderai, je vous noterai. Donc ça, je suis contente. Ah, ensuite, on a ce produit de la marque Kerli Paris. Donc en fait, c'est une lotion hydra-croissance booster capillaire. Donc ça, je suis contente. Hein, parce qu'un soin de cheveux, moi, je suis toujours contente. Franchement, voilà, ils sont un peu comme moi. Hein, ils sont un peu raplapla. Ils ont besoin de. J'ai besoin de refaire mes mèches. Peut-être de les recouper un petit peu. Mais voilà. En général, quand moi je suis raplapla, je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais si moi je suis raplapla, mes cheveux suivent le mouvement. Hein, mais bon. Donc peut-être que ça va être le bienvenu. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Un booster capillaire qui ne peut que vous plaire. Hein. Votre lotion hydratante croissant est un véritable petit bijou pour renforcer vos cheveux et stimuler leur repousse ou leur pousse. Sa composition enrichie en karité en fait un soin réconfortant. Petit aparté, hein, vous voyez que des fois j'ai un petit peu du mal, donc j'ai toujours enfin, je suis toujours avec mes nouveaux appareils, donc c'est bien, mais il faut que je m'habitue. Donc il y a des petits mots que je risque d'écorcher ou des petites. Donc juste un petit peu patient, laissez-moi un petit peu de temps, le temps que je m'habitue à tout ça. Mais en tout cas, j'en suis contente. Non à nos moutons, comme dirait l'autre, enfin, notre lotion du moins. Donc c'est un format de 100 ml. Hein. Donc en plus, voilà, avec le bouchon parfait pour mettre dans les. Voilà, séparer un petit peu vos cheveux, bien masser. Mais ça va me plaire. Ça, j'ai hâte de tester et de toute façon, vous retrouverez dans mes produits terminés. Ça, c'est une déception. Alors, pas par le produit, parce que je ne le connais pas, donc voilà, hein, moi je donne toujours une chance au produit. Donc, c'est une crème de nuit de la marque Jolie et une Grâce. Donc, de quoi passer une douce nuit? Votre crème de nuit riche et réconfortante apporte à la peau de votre visage une sensation de confort inégalable.
Elle trouve parfaitement sa place dans votre routine, 100% réconfortante. Ah, je ne vous ai pas dit le soin comme ça. Il a une valeur de 5,90 €. Donc, en plus, c'est abordable. Donc, ça, c'est très bien. Si ça marche bien, eh bien, ça serait parfait. Donc, ça, je ne peux pas vous dire. Forcément, je n'ai pas d'infos puisque c'est des produits qui ont été rajoutés. Donc, la crème, 49 €. D'accord? On est bien sur donc 49 € en prix réel. La déception, eh ben, elle est là. Il n'y a même pas une moitié. Regardez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous vous rendez bien compte. Mais il n'y a même pas une moitié dans mon pot. Donc, elles ne sont pas grand-chose. J'ai regardé un petit peu par rapport au bouchon tout à l'heure, hein, parce que j'ai regardé un petit peu mes boxes. Et effectivement, la texture, hein, elle a bien une texture onctueuse et tout, comme je les aime. Mais à quel moment j'ai ça? J'ai ça de produit, quoi. J'ai même pas la moitié du pot. Alors ça, c'est une déception, vraiment. Donc, je suis pas sûre que ça fasse quoi que ce soit, mais je vais quand même envoyer un message, hein. Je vais quand même envoyer un mail, parce que c'est pas normal. Bon, voilà, c'est pas normal que l'on ait des contenants, bon, qu'ils soient pas remplis à ras-bord, je vais bien, mais même pas la moitié, là, par contre, voilà. Donc, je vais faire une réclamation. Là, on a une crème pour les mains, comme ceci. Alors, c'est la marque Florence Nature. C'est une crème de main au jasmin. Alors, hâte de la tester, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'incontournable de votre sac à main. C'est vrai que c'est un petit format, donc c'est bien pour... Mais c'est un format vente, hein. Vous savez que j'ai que des formats vente dans mes deux box. Donc, la crème hydratante et apaisante possède une texture si légère qu'elle hydrate votre peau sans la rendre ni grasse ni collante. Ça, c'est bien. On apprécie. Délicatement parfumée, elle vous fait bénéficier d'un vrai, véritable instant de douceur. Alors, est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas operculée. Donc, bah, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Donc ça, bah, elle va rester, elle sent bon, elle sent, bah, le jasmin. Bon, alors par contre, c'est vrai, elle pénètre très très bien et elle laisse la peau toute douce par contre. Et vraiment, aucun film gras, aucun effet collant, vraiment, ça c'est vraiment vrai. Donc ça, je suis contente. Donc maintenant, je vais tester et puis voir ce que ça donne. Hop, alors ça, j'aime bien. Je vous en parlais dans mes produits terminés. Donc du coup, j'en ai un là. Donc je suis ravie. J'en avais un autre, hein, que j'ai entamé. Et donc, j'en ai un d'avance. Donc c'est parfait. Et donc ça, on parle d'un baume pour les lèvres, hein. Donc pour des lèvres douces, lisses et repulpées, votre baume à lèvres de nuit est incroyablement protecteur et réconfortant grâce à sa composition enrichie en karité et en huile de coco. Un indispensable. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect que ça a. C'est vrai que ça nourrit. Ça... J'aime bien le mettre le soir une fois que j'ai fait mes soins. Si je regarde mon film, donc c'est vrai, je me tartine. Hein. Je me tartine les lèvres parce que je crains énormément. C'est vrai que moi en hiver, même en été, hein, j'ai toujours les lèvres sèches, toujours, et l'hiver c'est encore pire. Et ça vraiment, ça me sauve, vraiment. Donc ça, je suis ravie. Et enfin, pour terminer, ça c'est pas ce qu'on a de meilleur, hein, mais bon, c'est de la marque New Morning. Je vous montre, comme ceci, voilà. Alors, qui dit routine réconfortante, dit boisson réconfortante. Pourquoi pas? Votre pumpkin, comme ça on dit, est une préparation gourmande pour boisson instantanée, prête en 2 minutes, sans sucre raffiné, idéale pour cette saison automnale, un vrai délice. Et en fait, le parfum, c'est citrouille épice. Je suis pas sûre. Après, attention, hein, à goûter. Donc, Cassandra s'est portée volontaire pour goûter. Donc, je vous ferai un retour. Hein, je vous mettrai à l'écran ce qu'elle en a pensé. À moins que vous ayez, parce que moi, je ne les vois pas avant samedi. Mais de toute façon, je vous ferai un retour. D'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une autre. Et je vous dirai, ou je vous filmerai la tête à Cassandra quand elle le boira. Ce sera encore bien mieux. Ça ne me tente pas. Mais pourquoi pas? Peut-être que je serai surprise. Alors voilà pour la box La Beautiful. Hein, donc, bon, mis à part la boisson instantanée, mais peut-être qu'on sera surprise. Par contre, grosse déception pour la crème de nuit, hein, pour la quantité qui est à l'intérieur. Mais sinon, je suis contente. Je suis contente des produits. Hein, voilà, un soin pour les cheveux. Bon, le gel douche.
Ça, je suis très contente, vraiment. J'adore l'odeur, j'adore. Donc, je vais continuer à en mettre un petit peu, si jamais ça peut apaiser, si ça peut me donner un coup de peps, hein, j'en aurais bien besoin en ce moment, ça serait parfait. Bon, allez, on fait l'autre, on attaque. Là, c'est la Gloria, comme ceci, donc le packaging. Donc, c'est vraiment cocooning, hein, devant la télé. Dommage, la cheminée, elle n'est pas éclairée, hein, dommage. Alors, comme d'habitude, vous avez le petit livret. Alors, Christmas Princess, comme ceci. Alors ça, je sais pas. Noël est enfin de retour. Cette année, vous êtes la reine du bal. Ah, rendez-vous le mois prochain pour votre nouvelle routine beauté, Christmas Princess. Ah, vous avez déjà un indice pour le mois prochain. Donc ici, c'est le mois Glow and Chill. La nuit est tombée, le feu crépite dans la cheminée et les soirées ne font que commencer. Entouré de vos meilleurs amis, un verre à la main, vous échangez sur vos dernières découvertes make-up et sur les potins du moment. Alors, on a une valeur, je vous montre ici, on a une valeur de 193 € dans cette box ce mois-ci. La Beautiful, je sais plus, je crois que c'est un peu plus de 80 € de produit, il me semble, 83 €. Mais là, par contre, 193 €. Allez! Je vous la montre comme ceci et on y va. Alors, oui, déjà quand je vois ça, je me dis ok, je vois pourquoi le prix. Je connais ce produit et je suis ravie. Donc, allez, on est parti. Pour commencer, bon, on a un petit make-up. Donc, en fait, c'est un petit liner pailleté. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le petit liner pailleté? Donc, il a une valeur de 16,50 €. Alors, ses bénéfices, donc, toujours pour des looks sulfureux. Comédie, Jules, Roux ou Cassie, optez pour votre eyeliner liquide pailleté. Sa formule longue tenue et résistante à l'eau vous offre un make-up garanti sans bavure. Alors, son pinceau précis permet une application très facile, même pour les débutantes. À vous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, il a un pinceau très très fin. Très très fin. Alors, voyons voir. On le secoue un petit peu pour bien mélanger les pigments. On nous dit bien que les paillettes irisées sont sans danger pour les yeux et apportent à votre regard une touche glamour. Eh ben, à voir. On va déjà tester sur la main. Ben, écoute, alors, je sais pas. Il est joli. Il est discret. Il est très très joli. Je sais pas si vous allez peut-être voir. Regardez. Voyez l'effet qu'il fait. Et je suis contente. À tester, hein. Donc ça avec un maquillage un petit peu pour les fêtes, repasser un petit peu sur, si vous faites un liner noir, repasser un tout petit peu sur votre liner, ça peut être sympa comme tout. Alors on a une autre parfum, comme ceci, hein, donc de la marque Sentier, donc ça a une valeur de 37 €, donc on va faire tout de suite, hein, parce que moi je veux voir, ah oui mais j'ai, je vais mettre sur mon vêtement. Parce que sur mes poignets, vous savez que j'ai mes huiles essentielles. Ouh, c'est fleuri. Ça sent bon, c'est fleuri, c'est très fleuri. C'est pas vraiment mon style de parfum. Mais ils sont très très bons, il est très très frais. Alors, j'aurais pas choisi ce parfum-là. Moi, j'aurais plus choisi pour un printemps, vous voyez. Il est très fleuri, très. Mais oui, il est très frais en fait. Donc, il sent très bon par contre. Hein. Mais c'est pas. Moi j'aime bien ce qui est chaud, intense. Donc, c'est pas vraiment. Alors, je pense qu'il va certainement intégrer le carton des cadeaux pour les concours, les choses comme ça. Hein. Donc, parce que. C'est pas, non, c'est pas vraiment mon style de parfum et je trouve que vraiment il n'est pas fait pour la saison. Donc, bon, on va mettre ça de côté pour vous. Donc la senteur unique, fleurie et envoûtante, ouais, de votre eau de parfum vous fera voyager où les fleurs céruléennes s'épanouissent pour un sentiment de paix qui persiste dans l'air. Comme Serena, vous allez faire tourner les têtes. Et de l'Upper East Side sur votre passage. Ils ont des phrases un peu bizarres hein, ce mois-ci, Gloria. Alors, les notes de tête. Alors, aquatiques s'adoucissent grâce aux notes délicates de magnolia
qui évoque un instant de sérénité. Les notes de cœur, un mélange envoûtant de fleurs, sont remplacées par les notes de basse de bois de cèdre, de vitivé et d'ambre, qui donnent profondeur et richesse au parfum. Vous voyez, comme je vous disais, ça sent vraiment c'est frais, ça sent vraiment les fleurs, c'est fleuri, et c'est pas vraiment mon style. Mais attention, ils sont très bons. Donc là, alors une huile démaquillante, je suis ravie. Mais ça, je suis contente, parce que j'en avais plus qu'une, que j'ai déjà entamée. Donc, comme ça, voilà, je sais que ça m'en fait une d'avance, c'est parfait. Alors, de la marque Boudoir d'Hortense, ça, je connais la marque, on a déjà vu des produits comme ça. Donc, c'est une huile démaquillante d'une valeur de 14,90 €. Et vous avez un contenant de 75 ml. Donc, ça fait déjà un bon contenant. Hein. Écoutez, elle a l'air pas mal, hein, du tout. Oh, elles sont bon. Vraiment, elles sont très très bon. Pour une peau lisse et lumineuse, comme Rachel et ses amis. Je ne sais pas c'est quoi tous ces prénoms qui nous ont... Ça me perturbe, moi, tous ces prénoms qui nous ont rajoutés dans la description. Mais bon, profitez d'un démaquillage en douceur qui élimine efficacement le maquillage sur les yeux et le visage, tout en prenant soin de votre peau. On adore. Eh bien, écoutez... Plus qu'à tester. Hein. Donc ça, je suis contente parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas très souvent, une huile démaquillante. Et ben, c'est vrai que moi, je me démaquille beaucoup à l'huile avant de faire mon nettoyage complet. Donc, je suis ravie. Et donc, 14,90 €, mais je crois que je vous l'ai dit. Alors, pour aller avec, ils nous ont mis un disque démaquillant. Je vais y arriver. Par contre, il est super épais, il est super moelleux. Alors, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas le défaire, puisque moi, j'en ai déjà... tout plein. Donc, je vais vous le garder. Hein. Donc, comme ça, voilà. Je ne le défais pas de son emballage. Hein. Donc, il est comme ceci. Voilà. Donc, eh ben, il est pour vous. Je vais le mettre avec le petit parfum. Que je vous le garde pour vous. Donc, optez pour une version zéro déchet lors de votre démaquillage avec votre coton démaquillant réutilisable, ultra doux et idéal pour un usage quotidien. Mais je pense que oui, il est très souple. Hein. Vous voyez, il est super souple. Et il est super moelleux et super épais. Donc, il doit être très agréable. Et pour terminer, ce qui fait vraiment le prix de la box, et ça, c'est une vérité, hein, c'est vraiment ça. Donc, là, on a une crème de nuit qui est pleine. Voilà, qui est pleine. Hein, donc, de la marque Abel Skincare. Donc, cette crème de nuit a une valeur de 125 €. Je sais, je connais cette marque. On a déjà eu des produits. J'aime beaucoup. Et je sais que, vraiment, ça a un coût assez important. Donc, vous avez un format de 50 ml. Donc, c'est la crème de nuit régénérante à l'acide hyaluronique. Je vais y arriver. Ses bénéfices, alors, pour un teint de poupon aussi resplendissant que celui de Daphné, je sais pas qui c'est Daphné, hein, découvrez votre crème de nuit régénérante à l'acide hyaluronique. Sa formule aide à rétablir l'équilibre de votre peau et l'hydrate en retenant son humidité naturelle. Votre peau est éclatante et repulpée, on l'aime déjà. Donc oui, moi je l'aime déjà. Donc, je vais finir la mienne. Ouais, de toute façon, elle est operculée. C'est un petit tube que j'avais eu à Sun Beauty, je crois, qui est très, très bien. Celle que j'utilise en ce moment, elle est super bien. Mais donc, ça, je suis ravie. Surtout avec le froid qui arrive et tout ça. Franchement, je suis super contente. Écoutez, ben, la Gloria, très, très bien ce mois-ci. Franchement, donc j'ai hâte de découvrir le mois prochain. On a d'indices, hein. Donc j'ai hâte de découvrir et de vous présenter tout ça. Alors en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits coup de cœur aussi, hein, que vous avez peut-être testé ou que vous aimeriez tester. N'hésitez pas, si jamais il y a des produits qui vous font vraiment envie, regardez Vinted. Sincèrement, je me répète à chaque fois, mais regardez Vinted. J'arrête de blablater. Moi, je fais plein de bisous et je vous dis à très très vite sous une autre vidéo. En attendant, vous prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.